Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher des informations système dans vos jeux en surimpression avec MSI Afterburner. Et c'est parti! Donc je commence par installer MSI Afterburner. Donc je lance le zip. Je peux faire installer directement depuis le zip. Là il faut cliquer oui. Hop, suivant, là, accepter les termes de la licence. Il faut laisser Rivatener coché, puisque c'est le logiciel qui permettra d'avoir l'affichage des infos système en surimpression dans vos jeux. Ensuite, le suivant, installer. Oh là, oui, mais on s'en fout. Finish. Oh, on peut lancer directement Afterburner après. Voilà. Donc là, alors moi, j'ai pas une carte MSI, j'ai une Gigabit, une GTX 1070. Il n'y a pas besoin d'avoir. Ça marche parfaitement avec n'importe quelle carte graphique, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une MSI. Donc là, on voit déjà quelques infos qui s'affichent. Hein, donc c'est que ça marche. Bon, pas de voltage, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est paramètres. Donc là, pour l'instant, c'est des paramètres par défaut. Ce sera contrôle. Voilà. Alors, sur impression écran aussi, vous pouvez choisir une touche pour l'activer ou le désactiver. Je sais pas, par exemple, si je fais. Vous pouvez choisir une compte touche. Voilà, par exemple F12. Si ça vous plaît pas, vous pouvez choisir une combinaison de touches. Je sais pas, contrôle F12 par exemple. Voilà, hop, contrôle F12. Donc ça permettra d'afficher ou non les infos en surimpression. Et ensuite ce qu'il faut surtout paramétrer, c'est dans contrôle. Donc là il faut choisir ce qui vous intéresse. Il y a pas mal de choix de choses qu'on peut afficher. Par exemple, ouais, la température du GPU, j'ai bien envie de la mettre. Bah, c'est simple, il suffit de se mettre sur ce qu'on voudrait afficher. On met afficher en surimpression. Là, vous pouvez aussi paramétrer les couleurs, ce genre de truc. Bon, je laisse par défaut, pardon. Voilà. Ensuite, ouais, l'utilisation du GPU, c'est cool aussi. Voilà. Ce qui est intéressant aussi en général, c'est le CPU. Après, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. On peut déjà aller appliquer le truc et je vais lancer un Cyberpunk parce que juste il n'y a même pas besoin de lancer le jeu entièrement pour commencer déjà à voir à quoi va ressembler l'affichage des infos. Mais sinon vous pouvez vous mettre dans un jeu en fenêtré aussi. Donc là vous avez les infos qu'on vient de mettre et après du coup ce qui est cool comme ça avec avec cette façon de faire, c'est que vous voyez en temps réel les modifs que vous faites. Donc si par exemple j'ai envie d'avoir le nombre d'images par seconde, ah oui des fois ça arrive, là c'est grisé. Alors du coup on pourrait croire qu'on n'a pas accès à l'info, mais en fait non, il suffit d'aller cliquer là et ça dégrise la fenêtre. Donc par exemple voilà, j'ai rajouté les FPS, alors on les voit pas tout de suite. Mais ils vont apparaître si je fais appliquer. Voilà, hop, le nombre de FPS vient d'apparaître. Pour tout le reste, c'est pareil. Donc la RAM aussi, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne au niveau consommation de RAM. Hop. Donc voilà, 3 gigas. Alors personnellement, je crois que j'ai 16 gigas de RAM, donc on est encore. Bien loin de la conso. Alors je vais terminer avec moi ce que j'aime bien afficher. La puissance, c'est toujours rigolo de voir combien on consomme, en théorie. Parce qu'en pratique c'est peut-être un peu plus, un peu moins, c'est pas non plus exact. La température d'utilisation du CPU. Hop. Et puis je crois que c'est tout. Alors, on peut mettre la puissance du CPU, c'est histoire de. Hop là. Voilà, après à vous de voir ce que vous avez envie d'afficher, mais en gros, voilà. Comment ça se passe? Bah oui, j'ai fermé.
j'ai fermé Afterburner, du coup ça... Je le relance. Voilà, je le relance et vous voyez, ça réapparaît immédiatement. Donc ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez l'avoir au démarrage, vous pouvez choisir démarrer avec Windows. Moi personnellement, j'aime pas trop qu'il y ait un milliard de trucs qui démarrent avec Windows. J'aime bien juste lancer ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Bon, on va lancer le jeu pour voir ce que ça donne in-game. Dans le vrai in-game. Donc voilà, une fois un jeu lancé, n'importe quel jeu, vous retrouvez les infos toujours en haut de l'écran, enfin là où vous avez décidé de les mettre. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir juste des chiffres, vous pouvez aussi mettre des petits graphes, des trucs comme ça, enfin à vous de voir comment vous voulez configurer le logiciel. En tout cas, c'est bien pratique, il est assez simple à utiliser, moi c'est celui que je conseille. Peu importe la carte graphique que vous avez, il est vraiment simple à mettre en œuvre. Et il y a pas mal d'offres disponibles. Voilà, bah je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, et je vous dis à une prochaine fois.